Huissier. Président. Huissier, oui. Les étudiants, là, ils sont encore dehors? Oui. Okay. Bon, va me chercher le représentant des étudiants, là. Président, non, c'est pas un représentant, c'est plutôt une représentante. Quoi? C'est une femme? Oui. C'est quoi? Une femme? C'est une femme. Mais je fous de nous. Comme Charlotte. Une femme comme Charlotte avec quelques kilos en moins. Huissier, qu'est-ce que tu fais encore là? Va me chercher la représentante des étudiants en colère. Bon, comme la représentante, là, c'est une femme. Madame c'est toi qui vas parler. Ouais. Ah, tu vas non, lui parler. C'est parce que c'est comme porte-parole que vous voulez que je parle. Ouais. N'importe quoi. Gilets jaunes. Bonjour, mademoiselle. Honorable parlementaire, les étudiants et étudiantes du Gondwana que je représente m'ont chargé de vous dire que nous ne sommes pas contents de ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux. On sait déjà. Et qu'est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux? Oui. Nous avons été choqués de voir le train de vie que mène Toupinette à Singapour. Elle, étudiante comme nous. Oui. Mademoiselle Toupinette. Le problème, c'est qu'elle est étudiante comme vous, d'accord. Mais est-ce que vous, vous êtes la fille du président fondateur? Bien, machallah. Et puis, pour être là où vous êtes là, vous avez passé un concours, non? Oui, effectivement, pour pouvoir avancer dans nos études, on doit passer des examens, et puis des tests, et puis des concours, oui, effectivement. Très bien, c'est vous qui savez parler français. Maintenant, quand tu regardes Toupinette, là, est-ce qu'elle a passé concours pour avoir un papa président fondateur? C'est ça. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça. C'est ça. Parce que où tu es là, personne n'a empêché ton papa d'être président fondateur, non? Si. Bien sûr. Quand président fondateur cherchait à être président fondateur, ton père était où? Ah. Ça. Justement, c'est ce qu'on lui reproche. Comme elle est la fille du président fondateur, donc elle mène un train de vie exorbitant, pendant que nous, on étudie dans des universités vétustes et que parfois on met des mois sans recevoir nos bourses. C'est normal, ça? C'est normal. Non, vraiment. Le gilet jaune, là, c'est ça qui t'a donné la fièvre jaune. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez? Nous voudrions aussi... Faut savoir ce que tu veux. Faut savoir ce que tu veux. Nous voudrions, je suis très sérieuse, que chaque enfant... Chaque étudiant qui souhaiterait suivre des études à l'étranger, aux frais du gouvernement du Gondwana, passe des examens publics, ouverts à tous, que les tests soient privés, en quelque sorte, qu'ils soient anonymes, mais que les résultats, eux, soient publics. Ah, je comprends. Allez, donc, si, voilà, j'ai bien compris. Pour choisir ceux qui vont aller étudier ailleurs, c'est-à-dire à l'étranger, là, tout le monde doit composer au même moment. Oui. En bas? D'accord. Même les enfants de président fondateur? Oui, même eux. Ah. Assis sur le même banc? Sur le même banc, oui. OK. Et puis, concours anonyme, là. Et donc, si le fils de président fondateur échoue, qui va porter le chapeau de ça? Ce n'est même pas ça. Et les résultats sont publics. Donc, si le fils ou la fille de président fondateur échoue, tout le pays va le savoir. C'est ça. Après, ce qui est grave, c'est ça, c'est ça même. Ce qui est grave, c'est même, là. C'est que celui qui est en train de corriger, là, comme c'est anonyme, oui. Il a la feuille de l'enfant de président fondateur, puis il ne sait pas. Ah. Et puis quand il voit ses effets, oui, c'est ça. C'est ce que vous dites. Tu vois. Vous voyez, c'est pourquoi on dit que trop d'école tue l'école de la sagesse. En tout cas... Donc, vous, au lieu d'étudier, vous passez votre vie à regarder Internet. C'est dans Internet qu'il y a examen. Vous n'avez pas exercice. Un étudiant, il étudie. Ben ouais. Tu vas chercher quoi sur Internet? Oui. Vous allez fouiller dans la page de Toupinette pour l'espionner. C'est pas bien, ça. Non, c'est pas bien. Et donc, moi, j'ai toujours dit, le vrai problème de ce pays-là, c'est Internet.
C'est vrai. Moi, j'ai la solution en tant que président de ce Parlement. Oui. Comme Choupinette. Non, Choupinette, c'est la petite sœur. C'est sa petite sœur, oui. Toupinette. Comme Toupinette a fait une vidéo qui vous a énervé. Oui. Vous aussi, vous faites une vidéo et puis c'est tout. Oui. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Ça semble correct, oui. Ouais. Oui, oui. Une vidéo où chaque étudiant passe, il se présente, il dit son nom, son prénom, là où son papa travaille. L'école, c'est pas son papa travaille qu'on paye ses études. L'école c'est de ça. Ses enfants, voilà. Là où il habite. Là où il habite. Mais nos parents n'ont rien à voir là-dedans. Là, si. Ah, ah. Tu n'as pas été travaillé à la présidence. Oui. Oui, mais. Président fondateur, il a quoi à voir là-dedans? Mais c'est sa fille. Donc, eh ben oui, donc c'est toi, ton et papa. Et puis quand vous allez finir. Quand vous allez finir cette vidéo, ouais. Vous venez nous la remettre, nous on va remettre ça au président fondateur. Voilà. Voilà. Sûr. Chaque étudiant défile pour dire, voilà, je ne suis pas content parce que Toupinette a fait une vidéo. Oui, ça, on peut le faire en et on a, nos services techniques. Non, on a nos services techniques. D'accord. Soldat. Soldat. C'est fiable. Oui. Cette jeune fille... Oui, non, attends, je vais lui donner un exemple. Ça dit, tu viens, tu dis, oui, moi, je m'appelle Digbe Cravate, je suis en cinquième année de crapologie. Oui. Voilà. Mon papa travaille au ministère de la fonction publique. Ma maman, elle travaille, elle est enseignante au lycée de Guaguanou. Voilà. Donc, quand il fait tout ça, et il vient dit nous donner la vidéo. Fâché. Et puis, voilà. Nous, on remet au président fondateur. Donc, d'accord. Voilà, Dao va vous aider. On a un service technique. Dao, d'accord. Tu vas amener cette jeune dame au sous-sol, au service vidéo. Là. Elle va faire une vidéo. Oui. Où c'est climatisé, là. Voilà. Président, oui. Le sous-sol, là, c'est la salle de torture. Hé hey, il faut pas dire quoi. Il faut l'amener. Il faut l'amener. Allez, allez, allez.